يغفر لنا ويريدنا أن نستفيد من هذا الشهر المبارك. إذن فرأينا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة مغفرة الذنوب عن طريق الصيام، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم رأينا أن الإنسان ممكن يلتقي صومه فيفتح لنا بابا جديدا عن طريق القيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم: من لم يستطع فمن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وما تأخر. ثم رأينا العتق من النيران في كل ليلة، أن الله سبحانه وتعالى يعفي من النار أو يعيد من النار خلقا كثيرين. ثم رأينا مضاعفة الحسنات في هذا الشهر الكريم، وقلنا أن الإنسان يجب أن يجتهد في هذا الشهر الكريم حتى لا تضيع عليه هذه الفرصة، والإنسان حتى يستفيد من شهر رمضان لا بد من أن يحافظ على وقته. يعني اليوم الخميس، يعني الآن تقريباً نحن 9 أو 10 أيام من رمضان، يعني البارحة ونحن هل غدا نصوم أو بعد غد، الثلاثاء أو الأربعاء، هل هذا الهلال، ما رأوا الهلال؟ يعني سبحان الله، هذه 10 الأوائل من رمضان قد ذهبت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها خيرا، وأن نكون من الذين تزودوا فيها خير الزاد. دونك أبخيفوار تولي ميغيت بمواد رمضان، لا كلي لو كابيتال Après avoir répondu au mois de Ramadan, c'est le temps. Si quelqu'un parmi nous veut bien profiter de ce mois de Ramadan, il faut qu'il veille très bien à préserver son temps. Parce que notre capital dans la vie d'ici-bas, c'est le temps. Et si on peut donner un exemple, si on dit qu'un être humain est né aujourd'hui, le matin, et il meurt le soir, il est encore bébé. Presque personne ne se rappellera de lui. Il ne pourra rien faire dans cette journée. Donc, plus qu'on vie, plus qu'on a l'occasion de travailler et d'œuvrer. Et comme les savants disent, la vie d'ici-bas est le jardin à cultiver pour cueillir le lendemain. Pour le salikon, la dunya mazra'at al-akhira. Yani, aujourd'hui, nous sommes dans la dunya, c'est le lieu où nous mazra'at. فاليوم عمل ولا حساب، اليوم نعمل ولا نحاسب، اليوم نزرع ولا نحصد، أما الحصاد فهو الغد. الدنيا مزرعة الآخرة، فالذي أحسن يعني تعهد هذه المزرعة وأحسن غراسها وأحسن حرثها وأحسن سقيها وريها، فلا بد أنه سيفلح وينجح ويأخذ محصوله ويحصد حصادا جيدا. Donc si on dit que la vie d'ici-bas est le champ à cultiver, le jardin à cultiver pour l'akhira, pour l'au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut qu'œuvrer, que travailler, que labourer, que irriguer, que mettre ces petites plantes ou ces semences pour cueillir le jour de jugement.
celui qui travaille bien, qu'il prépare bien son champ ou bien son jardin, qu'il le cultive bien, qu'il veille bien à dégager ou à enlever tous les mauvaises herbes et qu'il surveille bien son jardin le jour du jugement, il aura une bonne récolte. C'est pour ça, dans notre petit moment, dans les 15-20 minutes qu'on a, nous allons parler de ce capital qu'on a, qui est le temps. Parce que celui qui n'a pas le temps de travailler, il n'aura rien. Et nous ne sommes que du temps. Et moi, et toi, mon frère, et toi, ma sœur, nous sommes tous du temps. Si on nous enlève les 15 ou 20 ans, ou 30 ou 60 ans qu'on a vécu, ou qu'on va vivre, on n'est rien. On ne peut pas exister sans temps. C'est pour ça que le temps, c'est notre capital. C'est pour ça qu'on trouve dans la tradition islamique et la tradition arabo-musulmane que les savants musulmans ont donné beaucoup d'importance au temps. Et nous avons beaucoup de citations de savants musulmans qui nous incitent à bien garder, surveiller, protéger ce capital précieux. إذن فمن أحسن أن يتصرف في هذا الوقت الذي عنده فقد أفلح وفاز ومن ضيع هذا الوقت ضيع رأس ماله. فلذلك نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة العصر الله سبحانه وتعالى يقسم بسورة العصر الله سبحانه وتعالى يحلف بالعصر. وما هو العصر؟ قال العلماء العصر هو الوقت. يعني نحن البشر لا يمكن إلا أن نحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يحلف بأعظم شيء عنده، يحلف الإنسان بأعز شيء عنده، بأكبر شيء عنده. ونحن في هذه الدنيا ليس عندنا أكبر ولا أهم ولا أعظم ولا أجل من الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. Nous ne pouvons jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les humains, parce que quand on jure par ou sur quelque chose, ça veut dire cette chose-là est la plus importante de notre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il jure par le temps, par l'asr. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْلَيْلِ وَالْعَصْرِ » Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, يحلف بالشمس, بالقمر, بالليل. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala, لما يحلف, ليس مثل الحلف تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, لما يقسم بشيء, حتى يبين لنا أهمية هذا الشيء. Quand Allah سبحانه وتعالى jure par quelque chose, c'est pour bien nous montrer la valeur de cette chose. Si Allah سبحانه وتعالى jure par le temps, par le jour qui est du temps, la nuit qui n'est que du temps, ça veut dire Allah سبحانه وتعالى il donne beaucoup d'importance à ce temps. ولذلك نجد آيات كثيرة في القرآن الكريم يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعصر بالليل بالنهار إلى آخره. وفي سورة العصر بالذات يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر سيخت لدخمان إن perdition إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont œuvré dans le bien, qui ont fait du bien et
qui se sont mutuellement recommandé la vérité et le bien et l'endurance. تواصل بالحق يعني كل واحد يوصي الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول لنا وكأنه يقول والعصر أقسم بالوقت. العصر هذا اللي هو الوقت. إن الإنسان لفي خسر. يعني وكأنه يقول الإنسان الذي لم يستغل هذا الوقت راه خاسر في آخرته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الإنسان لما يؤمن ويعمل الصالحات معناها يملى الوقت هذا بالعمل الصالح. دونك الله سبحانه وتعالى ينادي Il jure par le temps, par le temps, les êtres humains sont voués à la perte, à la perdition. Sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je jure par le temps que celui qui ne profite pas de son temps qui lui est accordé dans ce bas monde, il est perdu. Et il n'aura rien dans le jour du jugement. Et pareil dans les autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala jure par le jour qui est un moment, quelques heures, il jure par la nuit, pareil, il jure par Subh, il jure par le Fajr, ou le Fajr, ou le Layal al-Ajr. Même quand Allah subhanahu wa ta'ala il jure par Shams, ou Shams et Wadouha, Il jure par le temps. عندما يقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وضحاها لأن الشمس هي التي يتحدث لنا بها الوقت. Donc même quand Allah سبحانه وتعالى jure par le soleil, il dhuha, wadhuha, wadayni, wamasajad. Tout ça, Allah سبحانه وتعالى, il jure par le temps. Il nous dit, et Allah سبحانه وتعالى, quand il jure par quelque chose comme on a dit, il nous montre l'importance. Il nous dit, attention. Ce que je vais vous dire là juste après, il est très important. Et c'est comme ça, c'est le style coranique. À chaque fois qu'on jure par quelque chose, on va dire attention, ce que je vais vous dire, il est un, vrai, et deux, il est très important. Voilà, à la والأحاديث النبوية في الوقت كثيرة جدا. إذا لم نذكر منها سوى حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم a aussi beaucoup de hadith qui nous parle de la valeur du temps. De l'importance du temps, de l'importance du fait de ne pas perdre son temps. On va citer un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit deux bienfaits que beaucoup de gens négligent et ils vont les regretter. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Donc celui qui a ces deux éléments, il a la santé pour faire du bien, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire son jeûne, pour faire ses prières. Quand on vieillit et qu'on n'aura plus la capacité de faire une raka'a comme on veut, comme on aime, là, on réfléchit, on dit, ah oui, c'est vrai. La santé, c'est très important pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne l'avait pas fait auparavant, on le regrette. On aimerait bien avoir une bonne santé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith siha, yani lati nahtaju wa lina'budu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal farah, al-waqt, اللي عنده وقت فارغ, اللي عنده وقت حر, يمكن أن يكثر فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن. من مساعدة يعني المحتاجين مساعدة من فعل الخيرات من صلة الرحم من الصيام. دونك لو بروفيت صلى الله
وسلم dans ce hadith et dans beaucoup d'autres hadiths, il insiste beaucoup sur la valeur du temps. Et c'est pour ça qu'il dit dans le jour du jugement, les premières choses sur lesquelles l'être humain va être jugé, va être questionné, يسألوا عنه. شبابه فيما أنباه عن عمره فيما أثناه. L'être humain, il va être questionné. Il ne va pas bouger devant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il soit questionné sur certaines choses. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة وعن خمسة. منها عن شبابه فيما أثناه وعن عمره فيما أمضاه. شباب العمر هما حاجة واحدة ولكن تكلمنا عليه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم. العمر كامل يسألك عليه الله سبحانه وتعالى كل دقيقة كل لحظة كل ولكن يزيد يأكد عليك يشدد عليك في السؤال عن الشباب علاش؟ لأنه أنت شاب كان يمكن أن تفعل وتعمل دونك أون فا إتر كيستيوني سور notre vie en général devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les premières questions. Après la foi, et on est questionné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est questionné sur notre argent, où on l'a dépensé, dans quel chemin, on va être questionné sur notre vie, comment on l'a passé, notre temps, et puis surtout notre jeunesse. On va insister beaucoup sur la jeunesse, parce que c'est pendant cette période-là qu'on peut faire beaucoup de choses. Ainsi, les Sahaba radhiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les successeurs et tabi'in, ils veillaient beaucoup à ne pas perdre leur temps. يقولنا ابن مسعود رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ابن عباس يقول ابن مسعود je n'ai jamais regretté quelque chose comme un jour au coucher de soleil quand je vois un jour il est déjà parti. Mais quand ce jour est parti, une partie de moi est déjà partie. Il ne reviendra jamais. Et même moi, je n'ai rien fait dans ce jour-là pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le considère comme un jour perdu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que chaque jour, on envoie quelqu'un, un ange, ou un jour, le jour même parle. Il dit, ô fils d'Adam, je suis un nouveau jour, je suis témoin sur tes actes. Alors, essaye de faire le maximum du bien, parce que quand je pars, je ne reviens jamais. Le jour qui passe, il ne revient jamais. Ibn Adam, ala yawmun jadid wa ala amalik shahid. Kul yawm, yabda, inadi, ahlan sa'aj. On n'entend pas. Mais il le dit vraiment. Ana yawmun jadid wa ala amalika shahid. Yani faghtanimni fatazawwad minni fa inni idhhabtu la a'oud. Wa kana ba'd kana Umar ibn Abd al-Aziz rahmatullahi alayhi yaqul ya ibn Adam إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. Il dit Omar ibn Abd al-Aziz, le cinquième calife bien guidé, il dit, ô fils d'Adam, le jour et la nuit, il œuvre, il te change. Il change quelque chose en toi. Tu dois aussi faire quelque chose dans le jour et la nuit. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que chaque jour passe, tu te rapproches encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour passe, t'as moins de vie, t'as moins de temps à vivre. C'est pour ça que tu dois saisir cette occasion pour te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, si nous comptons combien nous vivons, même si nous vivons
60 ans, on va passer presque 15 ans ou bien 20 ans à dormir. Si nous avons 24 heures par jour, et si nous dormons 7 à 8 heures, ça veut dire sur les 60 ans, on a passé 20 ans à dormir. Et nous avons passé déjà, sur les 20 ans, on a passé 15 ans ou plus, on ne savait pas grand-chose. On n'était pas adulte, donc tout ce temps-là est déjà perdu. Entre le temps, le reste du temps, peut-être, on a passé combien, 40 ou 50 ans à travailler. Donc 7 ou 8 heures par jour, plus les transports, voilà encore 20 ou 25 ans qu'on a enlevé. En plus, du temps qu'on a. Donc, après, si on enlève le temps dans lequel on a mangé sur les 60 ans, le temps qu'on s'est lavé, qu'on s'est douché, le temps qu'on s'est promené, le temps qu'on a passé. Donc, il reste quoi? Il ne reste pas grand-chose pour l'ibad, pour l'adoration. Pour faire du bien, en fait, sur les 60 ans, en fait, il ne nous reste pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut bien profiter de son temps. Avant qu'on n'aura plus ce temps-là et avant qu'on le regrette, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a beaucoup d'exemples de savants musulmans qui ne perdaient pas une minute de leur temps. Et on raconte même que certains savants, quand ses amis le rencontrer sur le chemin, il lui disait « Ya Foulain, yani, ta'ala muhadith que ça, viens, on va discuter une petite heure pour passer le temps, comme on dit chez nous. Surtout que Ramadan, on est les champions de passer. On cherche juste quelque chose pour passer le temps. Viens, viens, on va monter, on va descendre. Pourquoi ? On dit comment? Viens, on tue le temps. On se suicide en fait. Hala fi buldana l'arabiya ou l'islami. Il dit que Allah ina Ramadan twil la rohna qatlu l'waqt. Yani hala intihar, yani l'insan yaqtil nafsu. Idha l'insan yaqtil waqtu ma'na yaqtil nafsu. Quand je dis à quelqu'un, viens, on tue le temps, on passe le temps parce qu'on n'a rien à faire. C'est comme si on se suicide. On va se tuer nous-mêmes parce que nous ne sommes que du temps. Enfin, ce savant-là, quand on lui dit « Oh tel, viens, viens, on discute un peu, on passe le temps », il leur a dit « Écoutez, arrêtez le soleil, qu'il ne bouge pas, je vais m'asseoir avec vous pour discuter. » Parce que lui, tout le temps, il était ou en train de réfléchir, ou en train de lire le Coran, en train d'écrire, ou en train de donner des cours, en train de donner toute une journée. Après Salat Sokhaïdour, il donne un cours de Coran, après il donne un cours de Hadith. Après, il y en a qui donnaient jusqu'à 16 conférences par jour. Ba'd al-ulama kan ya'tif 16 dars l'yom. Yani ma tsawrch quwwa 'ajiba. Ils avaient une baraka extraordinaire et une force qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné extraordinaire. Et nous, on ne fait pas deux, trois choses dans la journée. La journée déjà est passée. Ces gens-là, ces savants, il y en a qui donnaient jusqu'à 16 cours par jour. Commençant par le fajr jusqu'à Salat al-Isha. Et ils mangeaient très peu. Ils faisaient une petite sieste. Avant ou après tout. Mais après tout le temps. Et on raconte même que l'imam Ibn al-Jawzi, un des grands savants de l'islam, il n'avait tellement pas le temps de voir même pas ses amis et sa famille. Mais il ne néglige pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il écrit tout le temps. Tout le temps, il écrit, il donne des doros dans la mosquée, il enseigne des étudiants, il enseigne des différentes sciences. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, à l'époque, quand on écrit sur des parchemins, sur de la peau, sur le papier, on commence à peine à le fabriquer. Et celui qui veut écrire, il fait des petits carnets
il doit les rassembler lui-même et écrimer pour écrire là-dessus. Et aussi, pour écrire, on devait avoir des crayons. Et les crayons, à l'époque, on les fait à la main, manuellement. Donc, Ibn al-Jawzi, qu'est-ce qu'il faisait? Toute la semaine, il est occupé, mais au jour où il doit voir sa famille, ses amis, il les laisse venir chez lui, ou bien il va chez eux, mais il ramène avec lui toujours du travail. Il ramène beaucoup de papiers, il les met, il leur dit oui, on discute, mais on travaille les cahiers en même temps. Et il y en a qui taillaient les crayons, qui fabriquaient les crayons, et les autres, ils font du papier, ils font des cahiers pour qu'ils écrivent, et pour qu'ils écrivent lui, et mais le temps là, il n'est pas perdu. Au bled, on a un proverbe qui dit Hadra ou Mazel. Le clair de Mazel. On parle et n'oubliez pas le fuseau, parce qu'à l'époque, on travaillait la laine à la main. Donc, surtout beaucoup, c'était les femmes qui se réunissaient pour discuter, hein, nos mères, nos grand-mères, etc. Mais elles ne perdaient pas ce temps-là dans une discussion comme ça. Elles discutent, même si elles discutent une demi-journée, c'est pas grave. Mais en même temps, elles travaillent. Elle a toujours sa main sur le fuseau en train de tourner, en train de faire la laine. Pour faire les burnous, les pichabillas, etc. Vous savez, quand on travaille nos vêtements nous-mêmes. Donc, ça, c'était un proverbe populaire qui dit oui, on peut parler, on peut discuter, mais en même temps, on peut faire quelque chose d'utile en même temps pour ne pas perdre le temps. Et ça, dans certains pays, dans certaines villes, c'est vraiment une culture. Dans nos pays, au Maghreb, en Algérie, Maroc, Tunisie, etc., on sait qu'on perd beaucoup de temps. On sait par exemple que les Chinois, les Japonais, non, c'est pas eux qui perdent le temps. Alors, on raconte des blagues comme ça, on sait. Peut-être que ça peut être vrai, mais on dit que les femmes en Chine, quand elles sont en train de discuter entre elles, ils font le montage des montres. Ils font le montage, en même temps elles discutent, mais c'est pas une discute comme ça sur un café. On prend un café, mais en même temps, on fait quelque chose. C'est pour ça qu'on me l'a dit, dans notre tradition islamique, on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup de hadiths, de versets coraniques, on a beaucoup de hadiths, alhamdoulilah, on a beaucoup de hadiths du professeur al-Salam, on a beaucoup d'exemples concrets dans la vie des sahaba, radiyallahu anhum, des successeurs des tabi'in, qui étaient très pointueux et méticuleux sur leur temps. Il ne perdait pas une minute. Et on raconte qu'un jeune qui était savant par la suite, il voyait toujours son père faire du bien, faire salat, faire son, faire le hajj, etc., lire le Coran, donner des cours. Et à un certain moment, il est fatigué. Donc il est fatigué comme ça, il a envie de dormir. Et il le voit aller dans son lit. En fait, il met quelque chose par terre, un tapis, et il met sa main sous l'oreiller, et il sort un petit papier, un parchemin plié, il le déplie, il le regarde, comme ça, une, deux minutes, après, il n'est plus fatigué. Il revient à la prière, à l'année. Mais l'enfant, il n'osait pas aller chercher dans les affaires, fouiller dans les affaires de son père. Qu'est-ce qu'il a? À chaque fois, il est fatigué, il va se laurier dans le lit, il regarde ce petit papier, après, il n'est plus fatigué. Quand son père est mort, il est parti chercher ce laurier, ce papier-là. C'était écrit quoi, en fait, sur le papier? C'était écrit « Ahsin amalak falakad qaruba ajal » « Fais bien ton travail, œuvre bien, fais du bien. » Parce que ton heure est proche, tu vas mourir bientôt. Et à chaque fois qu'il se rappelle de ça, il n'a plus le moment d'être fatigué. Il se dit non, non, non. Tant que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, je ne vais pas me permettre d'accorder tant de repos. Bien sûr, il faut se reposer, ça c'est sûr. Il faut manger correctement, il faut se reposer correctement, il faut dormir correctement. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas travailler, on ne peut pas prier si on ne dort pas correctement, on ne peut pas jeûner si on ne dort pas correctement, si on ne mange pas correctement. Mais notre problème, c'est parfois
on mange par habitude, même si on n'a pas faim. À l'heure arrive, même si je viens de manger, à l'heure du déjeuner, il faut aller descendre un plat, quelque chose. Il n'y a pas de question. Et puis l'heure du sommeil arrive, même si je ne suis pas fatigué, il faut que j'aille dormir. Alors que nous savons, ces vieux, les vieux de notre communauté, ils mangeaient par nécessité. Comme a dit le prophète, nous sommes une communauté qui ne mange que si elle a faim. Pas par habitude. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Nous ne remplissons pas le ventre jusqu'au dernier centimètre carré au cube dans l'estomac. Il faut toujours en laisser. Mais aussi notre savant, il y aura parmi les savants qui ne dormaient que par nécessité. Il y en a qui ne dormaient que jusqu'à ce qu'il... Ça y est, il va tomber. Là, il va dormir. Et on raconte parmi ça qu'il y avait certains savants musulmans que jusqu'à ce qu'ils tombent direct. Ils tombent direct, ils dorment. Là, ils dorment. Mais s'il n'est pas vraiment obligé de dormir, il ne dort pas. C'est pour ça qu'on trouve certains savants musulmans. وإذا ما شافش روحه رايح يطيح من عاس ما يروحش ينعس. Et on trouve certains savants musulmans, ils n'ont vécu que 30 ans ou 40 ans, mais ils ont laissé des livres comme l'imam Shafi. Il a fondé une école juridique. Il y a toute une partie du monde musulman qui se disent Shafirites. Pourquoi ils sont Shafiriens alors que les autres ils sont Malikites au Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye. Parce que Shafi'i, c'était un grand savant musulman qui est venu à l'époque de l'imam Malik, etc. Il a vécu que 40 ans. Mais il a laissé une école juridique. Peut-être un quart du monde d'aujourd'hui ou un quart de musulmans, plus ou moins, ils le suivent jusqu'aujourd'hui. Ça fait des siècles. Ils suivent ses avis. Et lui, il n'a vécu que 40 ans. Donc, 40 ans, le meilleur, celui qui a lu beaucoup, il a déjà sorti un livre. Ou bien il a écrit quelques papiers dans des journaux. Mais lui, à 40 ans, il a laissé un madhhab. Fi 40 sana al imam Shafi'i toufi wa huwa saghir, khalla madhhab fiqhi kamil, tarak madhhab. Yani, juz kabir min al umma al islamiyya yatba'u al imam Shafi'i ila hadha al yawm. Donc, quand on a posé la question, par rapport à l'imam Shafi'i, c'est quoi le secret? Il n'a pas vécu longtemps, il a laissé tous ces livres-là, tous ces gens-là le suivent, il a laissé tous ses habits dans le sunna, sur le fiqh, etc. On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné, il n'a pas vécu longtemps, mais il lui avait beaucoup de baraka dans ce temps. يعني عاش قليلا لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه بركة كثيرة في هذا العمر. لذلك الإنسان يجب أن يحافظ على وقته قدر ما يستطيع، يحاول أن لا يضيعه خاصة في هذا الشهر الكريم، في هذا شهر رمضان كما قلنا فيه الأجر عظيم، فيه الحسنات مضاعفات، النافلة بأجر فريضة والفريضة بأجر 70 فيما سواها. ثم tous les mérites qu'on vient de citer la semaine passée. Il convient de rappeler, on ne doit pas les perdre de vue. On doit se faire un programme. Il reste 20 jours de Ramadan. Les premiers 10 jours sont passés, comme a dit le professeur Salam, les 10 premiers jours de Rahman de la miséricorde sont passés. Aujourd'hui, on doit se rendre des points. On doit se rendre compte. يعني الإنسان لازم يكون هذه العشر الأيام الأولى اللي فاتت يا هل ترى أنا صليت فيها كما ينبغي؟ هل صمت فيها كما ينبغي؟ يا هل ترى أنا أغفر لرب العالمين مع هؤلاء الذين أعتقهم من النار؟ Est-ce que j'ai jeûné? Est-ce que j'ai veillé les nuits de Ramadan et les premières nuits comme il se doit? Est-ce que
J'étais déjà pardonné comme certains qui ont été pardonnés durant le premier jour de Ramadan, qui ont déjà eu la garantie de ne jamais aller en enfer, ce qu'on appelle l'aïtr minana, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait chaque soir, chaque nuit. Est-ce que si je continue comme ça, je vais bien vraiment profiter de Ramadan? Qu'est-ce que j'ai manqué dans les jours derniers? Est-ce que j'étais bien assidu avec la lecture du Coran? Est-ce que j'ai bien baissé mon regard pour ne pas voir le haram? Est-ce que j'ai bien aussi préservé mon oreille pour n'entendre que les bonnes choses? Est-ce que j'ai cherché à derrière ma famille, des amis, surtout ceux avec lesquels j'avais des petits problèmes ou des différends, etc. Parce que c'est le moment ou jamais de les régler. Parce qu'on sait que parmi les choses qui empêchent la réussite du mois de Ramadan, c'est bien ces discordes. Et هذا الخلافات بين الأشياء التي تمنع الأجر وتمنع البركة. لأن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث يعني كل مرة يغفر للناس إلا رجلين يعني بينهما شحنة أو بينهما مشكل ولا يتصالحا فيقول أنظروهما حتى يصطلحا. الله سبحانه وتعالى كما نسيت الحديث توجور الله سبحانه وتعالى il pardonne comme ça ses serviteurs, mais il ne pardonne pas à deux hommes qui ont eu un différend. Ils se sont bagarrés pour quelque chose, ou il y avait quelque chose entre eux qui ne va pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vient pardonner, il dit oui, pardonnez à ces gens-là, mais les deux-là, ne les pardonnez pas. Attendez qu'ils règlent leurs problèmes. Surtout si ça fait un quelques jours ou quelques temps qu'ils ne se parlent pas. Ça, c'est grave en islam. Et pire encore, si c'est de la famille. Si c'est de la famille, c'est encore pire. C'est encore plus grave. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La yahaqqu lil muslim aw lil mu'min fi ma'a al-hadith an yahjura akhahu fawqa thalath » Le croyant n'a pas le droit de ne pas parler à son frère plus de trois jours, de le boycotter comme ça. On n'a pas le droit, parce que quelle que soit la raison, on est bien au passage dans cette vie. Et on ne va pas vivre longtemps, personne ne va manger risque de l'autre, personne ne va vendre les biens de l'autre. On se chamaille pour des choses qui ne valent rien dans la balance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier pour ne pas perdre la valeur et pour ne pas perdre l'ajr en général, pour ne pas perdre la récompense, surtout pour ne pas perdre et ne pas gâcher la récompense du mois de Ramadan. Parce que vous savez très bien que Jibril, l'ange Jibril, est venu alayhi salam, il est venu par le prophète salam pour lui dire « Ô Mohammed, ya Mohammed salam, Laylat al-Qadr fi al-layl al-fulaniya » Il est venu lui dire « Écoute, Laylat al-Qadr, cette nuit bénie, elle va être dans tel jour, par exemple le 23e ou le 25e ou le 27e, comme ça, toute la communauté en profite. » Et il lui a dit « Laylat al-Qadr, c'est tel jour. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très content pour venir annoncer aux compagnons cette bonne nouvelle. Il est venu, en rentrant dans la mosquée, il a trouvé deux compagnons en train de... Il a trouvé, voilà, j'allais dire un petit bagarre. Indifférent, il y avait un problème entre deux compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le temps de les réconcilier. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يصلح بين هذين الصحابين وهو جاء في الأصل حتى يخبر الصحابة أن ليلة القدر هي اليوم الفلاني. Entre temps, le prophète صلى الله عليه وسلم il a oublié. Il a oublié. Il a oublié quel jour. C'est pas il a oublié. Allah سبحانه وتعالى il lui a retiré l'information. Il l'a formaté. Ah, comme on parle en informatique, il lui a formaté ce fichier-là, il l'a formaté complètement, tout de suite, il l'a effacé de sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rappelait plus. C'est comme il m'a dit Jibril,
C'est quand les lettres Badr, est-ce que c'est le 21e, le 23e? Ça y est. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un message à travers cet événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec? Attention, ce qui bien vous a fait perdre de préciser cette nuit, c'est la discorde, c'est le fitna, c'est la bagarre entre vous. Parce que ça, c'est bien quelque chose de grave qui peut vous empêcher d'avoir cette récompense, d'avoir la rajah. C'est pour ça, parmi les choses qui gâchent le mois de Ramadan et qui nous empêchent d'avoir la récompense, c'est bien cette discorde, ces bagarres, ces différends entre nous. Et donc nous devons faire notre programme et refaire niya pour profiter de ces bienfaits de Ramadan. Nous devons faire un programme avec le mois de Ramadan dans les jours qui restent. Celui qui n'a pas lu, il reste 20 jours, on a bien l'occasion de se rattraper. Si on peut faire 3 hizb par jour, on aura terminé, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la lecture personnelle, pas celle avec l'imam. On va essayer de la garder à part et on garde pour nous, ô combien il passe des mois sans qu'on lise le Coran. C'est le mois du Coran, par excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive au mois de Ramadan, il se retourne vers le Coran. Beaucoup de compagnons, ils laissent même les rappels comme ça et les cours de science de Rousseline, Sahaba Kanou, wa yadhhabun ila halaqat al-Qur'an. Ils choisissaient les cercles de récitation du Coran parce qu'on sait que le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran par excellence, c'est dans lequel on a révélé le Coran et dans lequel il y a un statut particulier pour la lecture du Coran. Et puis, on va essayer aussi de faire sadaqa. Si on n'a pas fait, même une petite chose. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sabaqa dinar wa mi'at alfi dinar. Un dinar a devancé, il est allé plus loin que 100 000 dinars. Ou un euro, plus, il était mieux que 100 000 euros. On a dit pourquoi? Il a dit un homme, il a 2 euros. Quand il est venu le moment de sadaqa, il a donné 1 euro. Il y a un autre très riche, il a 1 milliard d'euros. Au moment de sadaqa, il en a donné 100 000. Mais celui qui a donné 1 euro auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux que celui qui a donné 100 000. Dans la récompense, c'est bien sûr avec niya aussi. Pourquoi? Parce que lui, il a donné la moitié de sa fortune. زجور وعطاء روح لعطاء نصف المادع فهو عند الله سبحانه وتعالى درجة عظيمة إلا دوني لا موتي de sa fortune لا موتي de ce qu'il a alors que l'autre il a donné une petite partie peut-être un centième ou un dixième فالصدقة أجرها مضاعف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان أجود ما يكون وكان في رمضان أجود من السفت pendant le رمضان صلى الله عليه وسلم il était très généreux alors qu'il était déjà généreux durant toute l'année. Après, essayons de faire beaucoup d'invocations parce que c'est l'invocation qui nous fait sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous surveille. Parfois on oublie. Mais une fois qu'on se met à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et on fait du'a, on commence à sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous entend. Parce qu'on l'oublie très souvent et très longtemps et pendant toute la journée. Il n'y a que ces petits moments de prière et de dua qui nous refont sentir, qui nous aident à sentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus vous pouvez essayer, plus vous prenez un coin chez vous dans la mosquée, vous faites des dua, plus vous faites plus longtemps de dua, plus vous sentez, vous êtes plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on ne peut pas être loin de quelqu'un à qui on parle et à qui on sollicite. Plus on fait des du'as, كل ما يدعي الانسان الله سبحانه وتعالى ويطول في الدعاء يتقرب اكثر من الله سبحانه وتعالى يحس ان الله سبحانه وتعالى موجود انه يسمعه. لذلك احيانا احنا ما نحسوش الدعاء ننسى الله سبحانه وتعالى احنا ناسين في هذه الدنيا مع الاشغال والمشاكل في رمضان لما يبدا الامام يدعي ويدعي ويدعي ويطول وكذا تبدا الناس تبكي
Pourquoi les gens pleurent pendant le mois de Ramadan quand on finit leur doua? Parce que la jeûne, oui, Allah subhanahu wa ta'ala est là en fait. Je lui demande, je lui parle, je lui demande de me donner, de me préserver de l'enfer, de me donner le paradis. Plus je fais de doua plus longtemps, plus je sens Allah subhanahu wa ta'ala. وتقرت الدعاء أحس أن الله سبحانه وتعالى موجود وقريب ويسمعني. ثم معلوم صلاة التراويح ويحاول الإنسان يجتهد أنه يقوم parce que parfois on est faible et quand on fait la prière on est un peu déconnecté, surtout si après le maghreb, c'est pas un bol mais une bonne guédra de shawba. Il y en a qui, mashallah, une belle marmite de shawba ou de Harira, donc une demi-heure après le maghreb, il commence déjà à partir. Il est sur les nuages. Parfois, on vient à la mosquée pour faire Tarawih. Toute la mosquée en train d'entendre le Coran. Et moi, je suis comme ça, en train de bailler. Quand on fait soujou, j'ai pas envie de me lever. Je me dis, ah, tellement je ferme les yeux, je m'en vais dans le sommeil. Ça nous arrive tous, on est faible. Plus on mange à l'heure de Maghrib, à l'heure de la rupture de jeûne, plus le salat tarawih, on ne la sent plus. Que le mal insan ykathar fi l'akl fi l'iftar, ma yhassech salat tarawih. Ila ammarha bdid, salat tarawih hadith lila, masjid fi wad, wa huwa fi wad. Atika l'imam yqra fi wad, wa yad'i, wa huwa fi wad. On peut sentir pourquoi les gens ils ont des sensibilités différentes. علاش هذا يسمع الامام يقرا يبكي في المسجد وهذا بحذاه جنبه يسمع الامام وهو تايه دو بيرسون لون ا كوتي دو لوتر دون صلاة ان يل بلور لوتر يل ايور باسكو لوتر يل كونسونتري يل ليجي دون سون استومان يل لا. Alors l'autre, il a tellement mangé que, vous savez, en science, quand on commence l'estomac et commence à travailler, tout le sang il va dans l'estomac. On aura moins de sang qui va à la tête. Donc on est moins réveillé. Donc on commence à s'endormir. Et ils ne sentent rien. C'est pour ça qu'il est impossible de sentir la douceur de Coran et de Tarawih en ayant un ventre plein. Mais où que je dis ça, يذوب حلاوة التراويح وحلاوة القرآن وحلاوة الدعاء وهو كرش البطن تاعه مليان يعني ما فوالا سافي لا بلاك دو سوبي كي إلى تيلمون مونجي كو إلى بوي بلو إي إلى بي نوزين إلى أنفي تفومير إي سون أمي إي لوي دي إيكوت Mais tu ne vas pas rester comme ça. Il faut que tu mettes un doigt ou deux doigts dans ta bouche et que tu vomisses. Il faut vomir pour que tu te sens léger. Il lui dit, écoute, si j'avais l'endroit où mettre deux doigts, je vais mettre une banane à la place. C'est-à-dire, il lui dit, quel est le raison de trait, il ne faut pas rester comme ça parce que tu vas exploser. Il m'a dit, tu dois mettre les doigts et pour vomir. Et aller pendant le... Vomir et comme ça tu vas être libéré. Et lui a dit impossible. Si j'ai la place pour mettre le doigt ici, je mets une banane à la place. Je ne vomis pas. Donc, nous, il nous arrive malheureusement ça. On vient à Maghreb à Tarawih, on est complètement sur une autre planète. Toute la mosquée est dans un bus et nous, on est dans un autre bus. C'est pour ça, c'est des choses qu'on doit. Et réfléchir pour bien profiter de ce temps en or qu'il nous reste de ces jours, qu'il nous reste de pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حفظ أوقاتنا. اللهم يا عليم ويا كريم يا الله يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم فيما بقي من الأيام أن نحافظ على أوقاتنا. اللهم أنزل البركة في أيامنا.
وأنزل البركة في ليالينا كلها، وأنزل البركة خاصة في أيام رمضان وليالي رمضان. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من الخاسرين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من الأشقياء المحرومين. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على أوقاتهم ويعمرونها بالخيرات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضيع أوقاتنا فيما لا خير فيه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضيع أوقاتنا فيما لا فضل فيه. اللهم إنا نعوذ بك من أن يمضي علينا رمضان ونكون ضيعنا أوقاتنا فيما لا ينفعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على عمارة هذه الأوقات بالقرآن وبالصلوات وبالذكر وفي كل ما ينفعنا. اللهم بارك لنا في أيامنا، بارك لنا في ليالينا، بارك لنا في رمضاننا. اللهم بارك لنا في رمضان، بارك لنا فيما بقي فيه من الوقت. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.